C'est un nouveau coup dur pour les ONG en Russie. Moscou vient d'interdire les activités de l'Agence américaine pour le développement international qu'elle accuse d'ingérence dans la vie politique du pays. L'USAID facilite la coopération humanitaire et apporte un soutien financier essentiel à de nombreuses associations de défense des droits de l'homme. Des ONG comme Golos disent craindre pour leur avenir. Pour notre organisation, cela pose un gros problème. Nous travaillons avec l'USAID depuis 2002 et c'est très difficile d'obtenir des fonds pour surveiller les élections. C'est une attaque contre le secteur entier des ONG qui bénéficient de financements internationaux. Cette interdiction intervient sur fond de durcissement du régime depuis le retour au Kremlin de Vladimir Poutine. En juillet dernier, il s'en était déjà pris aux ONG en faisant adopter une loi visant à mieux les contrôler.